J'avais une famille. Une femme. Elles sont magnifiques. Et un fils. Je les ai enterrés avec tous ceux que je connaissais. Non ! Que m'est-il arrivé ? Je suis mort. La mort t'a rejeté. T'abandonnant entre lumière et ténèbres. Nos destins s'entremêlent à Lyon, ma vie et la tienne. Qui es-tu, Spectre ? J'ai façonné l'histoire de la Terre du Milieu. J'ai forgé les anneaux de pouvoir. Celebrimbor, grand forgeron du deuxième âge, Sauron t'a dupé pour que tu crées les anneaux. Ton peuple et toi avez souffert. C'est cette souffrance qui nous lie peut-être. J'aurais dû mourir avec ma famille. Mais tu rêvais de vengeance. Mais il n'y a qu'une seule façon de boucler la boucle. Il faut tuer Sauron. Il nous faut un nouvel anneau. Le monde des hommes va s'éteindre. Je l'ai vu. Je l'ai senti. Dans la montagne du destin, un rôdeur et un spectre, liés tous deux par la mort, ont forgé la seule chose qui puisse vaincre Sauron. Un anneau de pouvoir. Mais le pouvoir peut devenir aveuglant, et même les liens les plus forts peuvent être brisés. L'avenir que j'ai vu ne doit pas survenir. Celebrimbor. La mort t'appelle encore, Rôdeur. Que vas-tu répondre ? Talion. Elles sont magnifiques. D'où est-ce qu'elles viennent ? Oh, il me reste quelques amis au Gondor. Qu'est-ce qui ne va pas ? Oublie le passé. On ne peut plus rien changer. Il faut qu'on parte. Allons-y, vite ! C'est trop tard. Nous sommes déjà morts. Le spectre t'appelle. Et moi aussi. Spectre ! Où es-tu ? Talion. Talion. Je te trouverai. C'est...
c'était trop stylé. Eh bien, salut les vilains, on se retrouve donc aujourd'hui pour ce nouveau let's play, comme je vous l'avais promis depuis longtemps, sur Shadow of War, la suite donc directe de Shadow of the Mordor, qu'on avait bien kiffé sur cette chaîne. Donc du coup, il faut trouver Celebrimbor. C'est ce genre de nom. Alors attends, on va passer en mode furtif. Aïe, 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 c'est bon, il est mort. Ok, bim, bam, boum, très bien. Ok, donc là, on a une petite entrée sur les Uruks. Bon, on sait ce que c'est, hein. Nous, on est des habitués de Seigneur des Anneaux. On est des bons geeks comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Viens, viens, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vas-y, attends, on va descendre. Vas-y, lâche. Hop. Ok. J'aime bien, on commence par une petite... petite phase d'infiltration. On peut le drainer. Ce qui fait, je ne sais pas trop quoi. En vrai, j'ai vraiment... tout oublié du premier jeu. Je sais que c'était bien effoulant. Je sais qu'on pouvait drainer, mais je sais plus trop à quoi ça servait. Attends, maintenez R1 pour saisir les ennemis, relâcher pour les jeter dans le vide. Ok. Alors toi, mon gars, tu vas faire le grand saut. Attends. Vas-y, lâche-le. Allez, hop, ça dégage. C'était pas très discret comme move, mais ça fera l'affaire pour l'instant. Attends. Est-ce que je continue à être furtif jusqu'au bout ou... Vas-y. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont plutôt permissifs pour l'instant. On se fait vraiment pas repérer alors qu'on fait des moves de con. Toi, hop, tu crèves. Forcément, hein. À faire un aller-retour en regardant un mur de face. T'allais pas survivre bien longtemps. On va tous les tuer. On gagne pas d'XP par contre. Ça se débloquera peut-être un peu plus tard. Attends. Viens là. Ah, tu meurs. Voilà. On voit qu'ils ont gardé ce système de combo. Donc on risque d'avoir un gameplay toujours aussi nerveux. Et vraiment, c'est ça que je vais rechercher dans ce jeu-là. C'est de la détente, tu vois. C'est comme mon pote Ayoub aime bien dire. Le jeu que tu lances après, après une journée de boulot. Hop, 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 tu te prends pas la tête, tu défonces de l'orque et t'es bien content comme ça. Alors, ok, on arrive ici. Et apparemment, notre cible serait juste là. On n'a pas l'arc, non, on n'a pas l'arc. Par où je vais pouvoir descendre? Par ici. Oula, ouh, il me fait des phases de fou, là. Je voulais juste qu'il aille sur la poutre juste en bas. Ok. C'est un peu dur d'aller où on veut. Mais au moins on avance, déjà ça. Est-ce que je peux pas faire une sorte d'assassinat aérien sur ce type là par exemple? Par contre je sais plus si on prenait des dégâts de chute. Je prends pas trop de risques mais... Vas-y, go fight. Yes. C'est ça que je voulais en vrai. Let's go. Ok, ok. On va essayer de faire un gros combo déjà. Ok. Hop là. Donc là on est sur un gameplay assez classique de ce qu'on pouvait avoir sur les premiers Assassin's Creed et sur un Batman Arkham par exemple. Là où ça va devenir vraiment stylé, c'est quand on va commencer à acheter nos compétences, nos genres de finish. Attends, exécution au sol. Voilà, ils sont tous morts. Hein. Je pense que c'est un petit peu tard. C'est quoi? C'est des ennemis, ça? Attends, on va essayer de tuer cette araignée. Ouais, ça meurt. D'accord, ça pue l'araignée géante ici. Hein. L'araignée géante des films... des films Seigneur des Anneaux, je pense que vous la connaissez tous. Elle a été créatrice de pas mal de phobies dans votre enfance. Celebrimbor. Mais qu'a-t-il bien pu t'arriver ?
Tu nous as fait attendre. Libère-le! Une araignée ne lâche pas sa proie, Rôdeur. À moins d'obtenir quelque chose de plus précieux. Je ne t'ai pas fait venir pour rien. Je te conseille de me le rendre. Maintenant. Non ! Non ! Quel courage. Pour un homme. Mais ce n'est pas ton épée qui le sauvera. Serais-tu prêt à renoncer? À céder, à céder, à céder, à céder. J'ai déjà abandonné tout ce que je pouvais. Pas tout à fait. Pas encore. Tu veux l'anneau? Tu échangerais l'anneau contre le spectre? Pour me retrouver piégé dans ta toile avec lui. Je suis Arachne. Et je ne passe que des marchés honnêtes. J'aurais fait le même choix. Non ! Attends. Dalio, non ! Oh ! Tu peux le prendre. Beaucoup compter pour toi. Rejoins ton pantin avant qu'il ne meure. Tu nous as condamnés, Talion. Elle avait déjà un pouvoir immense, et voilà, je lui donne le mien. J'ai mis toute ma force vitale dans cet anneau. Alors il faut le récupérer. Arachne ! La guerre que tu veux mener n'est pas ici. L'anneau est perdu. Tourne-toi vers Mina Sithil, prise d'assaut par le Seigneur des Ténèbres. Tourne-toi vers le Palantir. Sauron ne s'arrêtera jamais avant d'avoir conquis toute la terre du milieu. Le Palantir doit être protégé. Mina Sithil. Je dois savoir si Arachne a vu juste. Ok, du coup on perd l'anneau dès le début. Ce qui est pas franchement malin. Mais bon, je suppose qu'il y a un moment où on va se venger d'Arachné d'une façon ou d'une autre, même si elle a l'air ni d'un côté ni de l'autre. Et ce qui va vraiment être incroyable dans ce jeu, bah, c'est les cités en fait. J'ai pu voir quelques images, là on en a une en face de nous. C'est juste magnifique. On va pouvoir peut-être profiter de cette DA tout le long du jeu. J'espère qu'ils vont pas abuser de la destruction de ce genre de choses, puisque c'est la guerre quand même. Hein. J'espère qu'on pourra profiter de certaines cités dans leur état... Bah voilà, non, voilà, là elle est en feu malheureusement. Pas encore totalement rasé, mais ça commence. Mmh.
L'araignée avait bien raison. La seule forteresse gondorienne au Mordor doit tenir. Le Palantir est essentiel. Nous devons le trouver avant que Sauron ne mette la main dessus. Sinon, rien ne pourra arrêter son armée. Le sort de la cité importe peu. Il est hors de question qu'il se fasse massacrer comme tous mes frères à la Porte Noire. Il faut faire quelque chose. En éliminant les capitaines, nous donnerons du temps aux Gondoriens. Ils pourraient nous mener au Palantir. Il faut trouver un verre et le faire parler. Allez, c'est parti, c'est là que le jeu commence. Alors, maintenez croix et dirigez-vous à un rebord pour sauter de n'importe quelle hauteur. D'accord, donc effectivement, on ne prend pas de dégâts. Voilà, donc ça au moins on va être tranquille. Maintenez rond pour interroger un verre. Donc toi par exemple. Hé, salut Bolos. Bah tu sais quoi, tu vas tout me raconter. Hop là. Qui dirige les recherches du Palantir? Alors, capitaine inconnu, si capitaine de Sauron mène le siège, vous pouvez interroger des vers pour obtenir des renseignements. Appuyez sur croix pour obtenir des renseignements sur ce capitaine. Ok. Alors, les renseignements sur le capitaine vous révèlent leurs faiblesses, ce qui vous permet de cibler précisément leur vulnérabilité et d'utiliser le pouvoir du spectre pour amplifier leur peur. Ce capitaine est un commandant, il sera toujours entouré par sa bande de soldats. D'accord, donc là, on va en faire notre cible, c''est ça ? Ouh, ça commence, ok. Recherché dans la ville basse. Alors il n'ira pas plus loin. Est-ce qu'on tuerait pas tout le monde dans ce coin-là? Attends, déjà, il y a trois vers par ici. Toi, hop, élimination furtive. Voilà. On va interroger tout le monde parce qu'ils sont, juste à côté. Donc ça va nous faire déjà trois informations sur des capitaines. C'est franchement pas dégueu. J'ai bien entendu. Alors, cette fois-ci, je veux des informations sur celui-là. Donc, Touka, qui est mortellement inflammable et mortellement chétif. Mais c'est quoi ce... Regardez ce capitaine. Il est stressé, il a même pas d'arme, d'accord. Donc lui, ça va être la cible facile, quoi. Allez, hop. Au revoir. Tu n'en mettras plus personne avec ton horrible tête. Toi, tu crèves. Et on n'a pas de gain d'XP quand on tue un ennemi, parce que je vois niveau 1 en bas à gauche. Et j'ai l'impression que ça fait que ça ne fait rien de tuer quelqu'un en fait. Hop, voilà, ça dégage. Donc on va interroger le troisième verre là qui est juste un petit peu plus à droite. Du coup on aura déjà des infos sur trois capitaines et on va se mettre très très bien parce que de toute façon le but ça va être de créer notre propre armée constituée de rooks. Enfin, en tout cas, si ça se joue comme le premier. Hé, toi ! Hop là ! Vas-y, crache les infos. On va prendre des infos sur celui-là. Voilà. Grom, l'incassable. Il a une arbalète, il risque d'être un petit peu chiant. Mais il est aussi mortellement chétif. On sent que c'est le début du jeu. Ils sont tous mortellement chétifs. C'est des vrais, véritables victimes. Ok. Allez, on va foncer. Il y a quand même nos amis qui nous attendent. Ils attendent leur sauveur. Attendez. Hop. Ça crève. On fera même à celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se jette sur eux. Je pense qu'on peut quand même tuer au moins un facilement, voire deux. Avant de lancer le fight. Ah non, d'accord, c'est crypté. Crypté, enfin, c'est scripté, pardon. Oh yes, voilà. J'allais le dire, l'arc me manquait. Eh ben, le voici. Alors, maintenez le débrouillé avec l'arc. D'accord, donc c'est classique. Très bien. Allez, c'est parti. Hop.
Bim! Oh là là, c'est magnifique! Et voilà! Ah, je vais kiffer. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Examinez l'indice. Le palantir est un artefact puissant. Si nous le détenions, nous pourrions changer la donne. Alors attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah d'accord, il faut... Voilà, réussir à bien afficher les traces. Attention, il y avait qu'une route, donc au pire, on pouvait pas trop se planter. Alors on va récupérer la flèche ici. Alors. Toi, tu crèves. Toi aussi. Ah non, je l'ai pas eu dans la tête. Ah, j'ai du mal. Il va falloir se remettre dans le bain. Ouais, fuis, fuis, fuis. Non, tu veux pas fuir. Bah, t'as eu tort. Vraiment. C'est une grave erreur. Qui ne se reproduira plus. Allez, go. Mais on est passé après la bataille, là. Ça y est, ils ont perdu, non? Ou alors peut-être que l'armée était à la tour. Il est proche. Le monde des spectres révélera sa présence. Alors, appuie sur R3 pour identifier. Donc, celui-ci. Ushak. Ok, donc on a Ushak, le surveillant, qui est là. Triompher du commandant Orc. Ok, on va se le faire. Ce qui serait le mieux, c'est de le mind control. Mais il a l'air assez chétif, du coup on va se contenter de le tuer d'une flèche dans la tête. Et merde. Ah, je suis nul. Bim, allez hop. Ah non, d'accord, je pensais qu'il était mort. Le Gondor aurait mieux fait d'envoyer des renforts. Cette ville nous appartient, vermine. T'arrives trop tard. Ouh, il y a quelques problèmes de synchro labial. Bon, c'est souvent ça à la sortie des jeux. On espère avoir une mise à jour rapidement. Et surtout, sa voix ne colle pas du tout au, au maigre Uruk qu'il est. C'est qui sinon l'allié qui est arrivé là? Il y a un pauvre type niveau 1. Faut que je suis niveau 1 moi aussi. On va pas trop faire les fifous. Ne touchez pas à mon ami. Hop, tu te calmes toi. Ok. Et ils ont du mal à crever, hein. Je les assomme à chaque fois en fait. Et normalement il faudrait que j'arrive à faire une sorte de... Enfin, il faudrait que je les achève. Je crois que c'est R2 plus carré pour le faire. Ah, attends. Hop. Genre lui, je l'achève. Voilà, attends. Ah, tu me fais chier. Voilà, c'est bon, il est mort. Ah d'accord. L'autre, elle a fait tout le taf à la place. C'est parfait. Et du coup, je vais récupérer ce truc. Attends, ramasser de l'équipement. Ok. Alors, équipement triomphé de capitaine permet à Celebrimbor de forger de puissantes pièces d'équipement. Vous pouvez gérer votre équipement dans le menu inventaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Utilisez équipement pour augmenter votre force et améliorer vos compétences. Les victoires contre des capitaines plus puissants rapportent de l'équipement de meilleure qualité. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? On peut... Ouais, en fait, le mieux, c'est toujours de remplacer, quoi. De toute façon, là, l'attaque est de plus 7, donc on va le faire tout de suite. Et apparemment, ouais, c'était une épée, quoi. Genre, on peut repasser sur nos anciennes armes. C'est curieux comme système. D'accord. Quête, personnage. Ah, donc on prend quand même de l'XP, mais en fait, il est caché. Peut-être que le gain d'XP ne s'affiche pas. Et on est à moitié du niveau 1. Qu'est-ce qu'on a un petit peu? Combat. Lorsque votre puissance est pleine, visez un ennemi avec L et appuyez sur triangle plus rond pour l'exécuter.
D'accord, on a prédateur. Prédateur, c'est quoi? Agité elfique. Ah, oh, waouh, ça c'est, ça a l'air vraiment assez balèze. On a du jeu à distance. Ce qui est bien avec les arbres de compétences de ces jeux-là, en fait, donc de ce Shadow of War et qui était déjà vraiment bien dans le Shadow of the Mordor, c'est qu'en fait, tous les arbres de compétences sont vraiment rentables. Il n'y en a pas un qui va plus t'aider que l'autre. Et on a un arbre de compétences histoire. Donc ça va monter tout seul, quoi. Je suppose. Ok. On va avancer, on verra ça un peu plus tard. Que faites-vous seul ici? Mon escouade s'est retrouvée prise au piège dans la ville basse. Combien étiez-vous là-bas? Bien trop peu. Eh bien, Minas Ithil tient encore. Nous allons perdre la ville moyenne, Rôdeur. Il risque de bientôt fermer les portes. Il faut nous y rendre le plus vite possible. Alors montrez-moi le chemin. Attendez. Quel est votre nom? Idril. Talion. Alors ne traînez pas, Talion. Il y a eu assez de morts comme ça. Alors là, je le sens un petit peu venir, mais j'espère que ça ne sera pas le cas, qu'ils vont pas tomber dans cette facilité-là, que la première... Le premier personnage féminin qu'on va rencontrer dans l'histoire, ça va être notre love interest. Ça me ferait quand même bien chier. C'est vrai que c'est pas le genre de jeu que tu joues pour l'histoire. C'est déjà bien assez de se retrouver dans l'univers Seigneur des Anneaux, selon moi. Mais ça rend pas moins supportable les gros clichés comme celui-ci. Hop, hop, hop. Hé, je t'avais contré, toi. Mais tu es fou. Toi, hop, tu te calmes. Vas-y, achève-le. Hop là. Ah, du coup, j'ai pas eu le temps de tuer l'autre. Mais il se protège, mais c'est... Il y a de la bro romance par ici, là. Toi, tu vas pas fuir, par contre. Ah, bah d'accord, je n'ai pas de flèche. C'est pas bien pratique. Allez, go. Sinon, je vois que ma vie ne remonte pas. Je sais pas ce que je dois faire pour récupérer de la vie. Peut-être qu'il faut que je draine, en fait. C'est peut-être ça, l'intérêt. En réalité, attends, je vais voir. Oula. Attends, Idril, merde, Idril, qu'est-ce que tu fais? J'arrive. Je sais pas, moi je vois des poteaux qui sont en galère contre des orques, je les aide, non? Il est un peu plus costaud celui-là, mais il avait juste l'air parce qu'il se fait déboîter. Voilà, il est déjà mort. Laisse-moi te terminer, voilà, c'est bien. Je prends des coups, mais comme un vrai con. Attends, je vais juste voir si je peux pas récupérer de la vie. Non, mais laisse-moi récupérer de la vie. Mais là, du coup, ils ont dû me repérer à force. Ils m'ont proposé l'option de drainer, mais genre ça a duré... une milliseconde, c'est dommage. Parce que là on a moins de la moitié de notre jauge de vie. Ça va pas être pratique, surtout si on a un boss un peu plus loin. Ils m'ont pas vu. Lui il m'a pas vu. Non, mais pourquoi tu l'as tué? Laissez-moi drainer un ennemi, bon sang. Ok, du coup je l'ai drainé, mais ça ne m'a pas redonné de vie. Et voilà, et comme un con derrière, je me prends un coup. Ok, ok, vas-y, laisse tomber. Va falloir se la jouer safe maintenant. Je te suis.
mais oui. C'est toi qui cours un peu trop vite là. J'ai des super pouvoirs, regarde comment elle sprint, c'est Usain Bolt la meuf. Même les gardes ils courent plus vite que moi, mais attendez les... Oh, c'est quoi cette histoire là? Vous êtes tous des surhommes dans cet univers? Ce ne sera pas long. Partez. Dites aux archers de l'épauler. Oh là là, ça y est, il va tuer tout le monde. Alors, attaque lourde. Maintenez carré jusqu'à ce que ta lance apparaisse, puis relâchez pour lancer une puissante attaque circulaire. Ok, ok, ok. Alors, là, je maintiens. Bim! Est-ce que je peux pas, genre, enchaîner avec la lance, non? Oh, ils ont cramé! Attends, mais c'est beaucoup plus fort que ce que je pensais. Ah non, d'accord, c'est les archers qui m'épaulent, les fameux. Bon, je suis pas tout à fait fan de cette attaque à la lance. Si on peut pas enchaîner derrière, c'est pas fifou, quoi. C'est une prise de risque qui récompense pas beaucoup, on va dire. Mais en fait, les archers, ils font totalement le taf à ma place. J'ai voulu faire le l'homme badass, mais... Ah, c'était le fameux chétif. D'accord, bah il est mort comme ça, lui. La ville moyenne est perdue. Nous avons chèrement défendu chaque pouce de terrain, mais ils ont réussi. Alors notre sort se joue ici. Le mur intérieur tiendra. Et nous avons le double d'archers. Nous ne faisons pas le poids face à leur nombre et leur férocité. Oh, notre peuple a déjà repoussé l'armée de Sauron. Mais en perdant bien des choses à jamais. Ouais, c'est hélas vrai. Va à la grande salle. Protège les reliques. Ma place est ici. Mais fais en sorte qu'on les transporte à Aenys Anoun. Est-ce que c'est un ordre ? Il faut que tu comprennes. Il faut protéger les choses les plus précieuses. À tout prix. Oui. C'est un ordre. Alors j'obéis. Mais je serai de retour avant la prochaine attaque. Rôdeur de la Porte Noire. Je vous croyais tous morts. C'était bien le cas. Si vous venez vous battre pour Minas City, le rôdeur, allez voir le capitaine Barad. Je ne viens pas pour la cité, général. Mais pour le Palantir, pour le protéger. Si la cité est protégée, le Palantir également. Cependant, nous avons des escouades qui attaquent les capitaines ennemis dans la ville basse. Afin de semer la terreur parmi eux. Oui. Il est grand temps qu'ils goûtent à la peur. Les troupes sont prêtes, général. Oula, on a pris plusieurs niveaux en un coup. Ok, donc on a un point d'aptitude. Il va falloir bien le placer, celui-là. Ok, pour ouvrir le menu personnage, on va faire ça tout de suite. Alors... J'hésite entre l'agilité elfique et un truc de combat ou à distance. Ah bah il me laisse pas le choix, j'ai l'impression. Ah d'accord, bah attends. Ouais, j'avais pas le choix, on dirait. En tout cas, je pouvais pas déplacer mon curseur. Pour récupérer le Palantir rapidement, la ville est affaiblie. Elle ne tiendra plus très longtemps. Nous ne pouvons pas abandonner les Gondoriens. Castamir a raison. En protégeant la cité, nous protégeons le Palantir. Regarde. Les tours portent sa marque. Ces tours m'appartenaient jadis. La corruption de Sauron s'étend au-delà des frontières du Mordor. Il se moque de moi. Il a mon devoir. Pas sans le Palantir. Alors, récupérer le Palantir, terminer les quêtes qui est en losange pour éviter que le Palantir ne tombe entre les mains de Sauron. Alors, la carte de la région.
Donc je pense que ouais, ils m'ont forcé à prendre la compétence de sprint, enfin du super sprint. Parce qu'on est toujours dans une phase un petit peu plus tuto. On va ajouter le repère, et voilà. Nous lui reprendrons Mina Sithil. Du coup les amis, on découvrira un petit peu plus Shadow of War lors du prochain épisode. Nous on va s'arrêter là, ça aura fait une bonne introduction. On a pu un petit peu appréhender ce nouvel opus. Le scénario, bon, qui vole pas très très haut, hein, qu'on se le dise. Faut pas s'attendre à des trucs de malade. Mais bon, voilà quoi. On retrouve notre terre du milieu chérie. Et ça fait chaud au cœur. Du coup les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie sur cet épisode. On se retrouvera très rapidement pour le prochain. Et sur ce, je n'ai plus que seule chose à vous dire tout le monde. Tchuss. Et à la prochaine.